vous avez droit de savoir. Comme ça, on y va. On y va. Elombe. 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 Ben avena moya. Avena avena moya. Avena avena moya. Toma la voz. Tozana esengo makasi ya komona ke lelo nzambe apesi eglise na communauté congolaise, communauté africaine en général. Moni tozana esengo mingi atako tozao ba eglise keseni tout ça, mais awande maison mère papa eza esika to bandera kinde esika ne tozo sangana boye ba africain nyoso tozo sangana boye na kati eglise catholique. Tout ça, c'est un monde qui est en Zambie, à la communauté africaine. Congo Connexion TV comme je l'ai fait, et aussi dire que moi je crois que c'est un grand jour pour le Congo, pour l'Afrique, pour le Québec aussi, pour l'honoration de Notre-Dame d'Afrique, je crois, c'est ça. Et aussi merci pour les évêques d'Afrique qui se sont dérangés pour venir jusqu'ici à Montréal célébrer avec nous, célébrer avec les Africains, les Québécois, le Canada, s'il faut dire ça comme ça aussi, pour cette grande fête de l'Église catholique. Et merci aussi aux Congolais, aux Africains qui ont voulu laisser leur occupation et venir ici fêter avec nos frères de l'Église catholique cette merveilleuse journée. Alors moi je crois que comme le cardinal, l'éminence l'a dit tout à l'heure, c'est aussi un moment de réconciliation pour nous les Congolais. Vous avez entendu, comme le cardinal avait dit, il était passé ici, je crois, il a né une année ou deux ans pour réconcilier les Congolais qui se sont séparés au sein de l'Église catholique. Mais aujourd'hui, chose faite, le cardinal est bien content d'apprendre qu'il y a eu cette réconciliation et les Congolais sont ensemble. Je crois, ensemble, nous pourrons bâtir ce grand Congo au lieu de, comme les Québécois disent, de se chicaner, de se déchirer. Je crois qu'ensemble, nous pourrons faire du Congo un grand pays. Merci. Merci.
y a comment la Kenzamba kaniseli biso apesi communauté congolaise africaine et si kana bango po baya kokumisa ye ezali esengo mingi po yango ne tozali ko senge pa nzambe ayoki prière ya ba mama merci. Connexion de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer aujourd'hui à un jour solennel dans la mesure où notre collègue ici présent de l'UNC vient de faire un discours remarquable dans le sens même de la volonté populaire, c'est-à-dire le peuple congolais est souverain et estime que nous pouvons nous voir tous réunis sur une même table afin de pouvoir parler congolais. C'est ainsi que le cardinal Son Excellence Monsengo Bassigna a donné un son de cloche. Vous savez, l'Église catholique a toujours joué un rôle significatif au Congo. Et cela même à l'époque de Léopold II, s'il faut remonter à l'histoire, l'Église a bâti ce Congo. Donc cette nation congolaise doit être toujours entendre la voix du pastorat, qui est l'Église catholique romaine. Et cela a été consistant dans la mesure que nous sommes les privilégiés de voir le cardinal nous donner un son de cloche. Et je pense que ce n'est pas seulement pour Montréal ou le Canada tout entier, mais c'est un appel à tous les Congolais. Sengomingi, tokumisa nzambe, nzambe azaka kanabiso e akosali sabiso. Bona mboka nabiso to bosa na te tozo tiaka losambo nzambe akosala. Mais il faut biso moko peto salango. Alors tozo mipesa. Nzambe yo kabiso to sepela bona cardinal aye tozana esengomingi. Merci mingi na kombo ya ba mama nyonso.
cela ne s'arrête pas. La première lecture est tirée du premier livre des Rois, au chapitre 17, les versets 17 à 24. Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade. Le mal fut si violent que l'enfant expira. Alors la femme dit à Élie, « Qu'est-ce que tu fais ici, homme de Dieu ? Tu es venu chez moi pour appeler mes fautes et faire mourir mon fils ?» Élie répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la maison et l'étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur, « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils ?» Par trois fois, il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur entendit la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint à lui. Il était vivant. Élie prit alors l'enfant de sa chambre, il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit, « Regarde, ton fils est vivant. Je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole de Dieu est vérité. » Parole du Seigneur. Thank you.
du peuple des enfants de Dieu. Avec Marie, avec Notre-Dame, nous recevons une aide précieuse parce que la question demeure, comment accueillir Dieu qui nous visite? Comment découvrir Dieu qui nous visite? Comment vivre de la vie de Dieu qui nous visite? Et comment communiquer cette vie et cet amour de Dieu? Comment le communiquer autour de nous? En Notre-Dame, nous avons la Mère de Jésus. Nous avons celle qui a le mieux accueilli Jésus. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, Jésus-Christ, Fils unique du Père éternel, Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, Dieu qui vient dans le monde. Croire, c'est croire en Jésus-Christ. C'est croire en Jésus-Christ. Nous recevons Dieu. Dieu nous est donné. Et Marie, avant d'accueillir, de recevoir Jésus en son sein maternel, elle l'a reçu dans son cœur. En étant celle qui a le mieux reçu Jésus, elle est un peu comme le modèle de l'Église. Elle prie l'amour d'accueillir Jésus-Christ et la puissance de sa vie, la puissance de sa paix, la puissance de sa grâce. En même temps, Marie est celle qui a le mieux donné Jésus-Christ au monde. Elle n'a pas gardé Jésus-Christ pour elle, elle l'a donné. Elle l'a donné au monde parce que Jésus-Christ vient dans le monde pour l'humanité tout entière, de tout lieu, de tout temps, de tout continent. Et Marie a donné Jésus-Christ au monde et Notre-Dame donne Jésus-Christ au monde. Et à nous qui voulons recevoir Jésus-Christ, elle nous aide non seulement à le recevoir, mais à le donner. Parce que l'amour de Dieu, il est pour l'humanité tout entière et le monde a besoin de découvrir cet amour de Dieu, cet amour éternel, cet amour infini, cette miséricorde, cette paix qui vient de Dieu en Jésus-Christ. Mais aussi un appel à partager l'amour de Jésus-Christ autour de nous. Jésus-Christ qui vient dans le monde, on le voit dans l'Évangile aujourd'hui comme on le voit ailleurs dans l'Évangile. Il vient pour communiquer sa vie et lorsqu'il rencontre une détresse, il se fait proche de toute personne dans la détresse. C'est une grande passion. Jésus-Christ se fait proche de toute personne dans la détresse, non seulement pour lui-même, parce qu'il peut être proche de personnes dans la détresse, mais il nous appelle, en marchant sa suite, à nous aussi nous faire proche de toute détresse. La compassion. La compassion, c'est se faire proche de l'autre qui est dans la peine. La compassion, c'est être avec l'autre qui est dans la peine. Et Jésus-Christ nous invite à nous faire proche les uns des autres dans la communauté, mais aussi être accueillant à toute personne qui se présente ou être prêt à aller, à sortir pour aller vers toute personne qui est dans la peine pour communiquer la vie de Jésus-Christ. L'Évangile commence en parlant des disciples qui marchent avec Jésus, qui sont sur la route avec Jésus et de ce peuple qui accompagne Jésus. Être en Église, c'est marcher avec Jésus-Christ, c'est marcher à sa suite. C'est faire route avec lui, sur les routes du monde, sur les routes de la détresse, sur les routes de la joie, sur les routes de la peine, sur les routes de la beauté, comme sur les routes de la souffrance. Jésus-Christ vient ouvrir notre cœur en ouvrant notre cœur à Dieu, vient ouvrir notre cœur à l'œuvre de Dieu, qui est ce monde créé par Dieu, en même temps que l'humanité, qui est faite pour la beauté, la vérité, la bonté, mais qui est aussi blessé. Notre-Dame d'Afrique, c'est un privilège pour le diocèse de Montréal d'avoir la mission de Notre-Dame d'Afrique pour accueillir tous ces immigrants qui viennent d'Afrique et qui ont besoin de découvrir dans ce grand pays, dans ce grand diocèse, qui ont besoin de découvrir une terre d'accueil. Ils ont besoin d'entendre qu'ils sont les bienvenus. Ils ont besoin d'entendre que nous sommes heureux qu'ils viennent chez nous, qu'ils se présentent à nous, qu'ils viennent nous rencontrer, qu'ils viennent dans cette aventure de leur propre vie personnelle, qu'ils viennent traverser les
sentiment pour se retrouver ici même, au Canada, au Québec, à Montréal. De nombreux parmi vous venaient d'Afrique depuis longtemps déjà et avaient fait du diocèse votre terre d'accueil. En même temps, comme vous savez, de nombreux Canadiens, de nombreux Québécois, de nombreux du diocèse de Montréal sont allés en Afrique. On en a eu le témoignage au début. La gloire de Dieu, Père puissant, l'oublié et la jugée vivante et mort. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous sommes maintenant arrivés au moment de la prière universelle. Elles seront dites par les communautés nationales du Tchad, Burundi, de la Côte d'Ivoire. Et la dernière sera dite en français pour le Canada. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Avec la même confiance que le psalmiste, présentons à Dieu nos intentions de prière. Seigneur.
par Jésus le ressuscité, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Bandeko tolo bali susu e nga sambe mapa bini maka bo sambe esiso mauti na binanga e sala nato mako e aso e nga Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir, te garde profonde, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne l'accomplissement de charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous donnons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix.
afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Dans la demeure, nous vivrons près de toi.
en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, celle que nous invoquons sur le vocable de Notre-Dame, la Vie, avec les apôtres, les martyrs, Anuamite, Nekapeta, Isito, Bakanja et tous les saints du ciel, nous pouvons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Thank you.
représentant provincial de Terre-Blanche, à la supérieure des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, ainsi qu'à tous les prêtres et religieuses. Votre présence ici est un encouragement de plus pour nous à poursuivre dans la foi catholique. Merci également aux membres des corps diplomatiques ici présents, à tous les pasteurs de la pastorale congolaise qui ont répondu à notre invitation, ainsi qu'à toutes les délégations des communautés catholiques venues d'Ottawa, de Toronto et des États-Unis. Merci. Notre reconnaissance va aussi à la communauté paroissiale Sainte-Famille de votre quartier ville. Vous nous avez accueillis à bras ouverts dans cette église. Merci. De la mission d'origine tchadienne, congolaise de Brazza, congolaise de Kinshasa, burundaise, ivoirienne, nigériane, rwandaise, centrafricaine, pour vos efforts à la réussite de cette inauguration. Merci à tous les membres de l'équipe pastorale, du comité pastoral, et du Conseil des affaires économiques, à tous les intervenants, les acolytes, les lecteurs, les joyeuses, les membres du protocole de la sécurité et de l'accueil, les choristes, l'objet de l'amendement. Les mamans qui préparent les barbecues, à vous tous, je dis merci. Tous et toutes, vous êtes invités à poursuivre la fête dehors. Comme vous voyez, il fait beau, nous allons en. Je vous remercie.
qu'il importe de évangéliser, d'annoncer l'évangile, de commencer la nouvelle évangélisation à laquelle le Saint-Père nous invite tous. Nouvelle dans son ardeur, nouvelle dans ses méthodes, nouvelle dans son expression. Et en cette année de la foi, que votre foi rayonne, qu'elle rayonne ici à Montréal avec vos frères et sœurs canadiens, qu'elle rayonne aux États-Unis, qu'elle rayonne en Haïti. Nous avons retenu quelques personnes de quelques pays d'Afrique ici.
l'archevêque va allumer à partir du cierge pascal un cierge qui va leur transmettre et à chacune de ces personnes-là qui se connaissent d'aller allumer la foi des leurs dans leur pays pour que Notre-Dame d'Afrique grandisse. Et nous disons merci aussi à des personnes qui viennent des autres missions, Notre-Dame de Guadeloupe, leur pasteur ici, nos frères de Notre-Dame d'Haïti qui nous accueillent aussi. Nous allons aller ensuite à eux aussi, nous disons merci. Dans les émissions de télévision, souvent il y a des suspenses. On annonce qu'il va y avoir un certain temps, on ne sait pas quoi. Il y a encore quelques démarches à faire parce que ce sont des possibilités qui se sont ouvertes récemment. Une église dans une paroisse qui a quelques églises et qui sont disponibles à accueillir, à confier l'église, à remettre l'église au diocèse pour que le diocèse la confie à une nouvelle communauté, Notre-Dame d'Afrique. Donc, d'ici quelques mois, vous allez en savoir plus. Alors, en septembre, restez à l'écoute, là, parce que c'est là où... Thank you.
chacun. Ba mama tozana esengo makasi ya komona ke lelo nzambe apesi eglise na communauté congolaise communauté africaine en général moni tozana esengo mingi atako toza ba eglise keseni tout ça mais awande maison mère papa eza esika to bandera kinde esika ler tozo sangana boye ba africaine nyoso tozo sangana boye na kati eglise catholique. Tout ça n'est pas un problème que nous avons à la communauté africaine. Je voudrais remercier d'abord Congo Connexion TV comme je l'ai fait. Et aussi dire que moi je crois que c'est un grand jour pour le Congo, pour l'Afrique, pour le Québec aussi, pour l'honoration de Notre-Dame d'Afrique, je crois, c'est ça. Et aussi merci pour les évêques d'Afrique qui se sont dérangés pour venir jusqu'ici à Montréal. Célébrer avec nous, célébrer avec les Africains, les Québécois, le Canada, s'il faut dire ça comme ça aussi, pour cette grande fête de l'Église catholique. Et merci aussi aux Congolais, aux Africains qui ont voulu laisser leur occupation et venir ici fêter avec nos frères de l'Église catholique cette merveilleuse journée. Alors moi je crois que comme le cardinal, l'éminence l'a dit tout à l'heure, c'est aussi un moment de réconciliation pour nous les Congolais. Vous avez entendu, comme le cardinal avait dit, il était passé ici, je crois, il a né une année ou deux ans pour réconcilier les Congolais qui sont séparés au sein de l'Église catholique. Mais aujourd'hui, chose faite, le cardinal est bien content d'apprendre qu'il y a eu cette réconciliation et les Congolais sont ensemble. Je crois, ensemble, nous pourrons bâtir ce grand Congo au lieu de, comme les Québécois disent, de se chicaner, de se déchirer. Je crois qu'ensemble, nous pourrons faire du Congo un grand pays. Merci. Apesi communauté congolaise, africaine, et si on a un peu de ezali esengo mingi po yango ne tozali kosenge pa nzambe ayoki priere ya ba mama. Merci Congo Connexion de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer aujourd'hui à un jour solennel dans la mesure où notre collègue ici présent de l'UNC vient de faire un discours remarquable dans le sens même de la volonté populaire, c'est-à-dire le peuple congolais est souverain et estime que nous pouvons nous voir tous réunis sur une même table afin de pouvoir parler congolais. C'est ainsi que le cardinal, son excellence Monsengo Bassigna, a donné un son de cloche. Vous savez, l'Église catholique a toujours joué un rôle significatif au Congo. Et cela même à l'époque de Léopold II, s'il faut remonter à l'histoire, l'Église a bâti ce Congo. Donc cette nation congolaise doit être toujours entendre la voix du pastorat qui est l'Église catholique romaine. Et cela a été consistant dans la mesure que nous sommes les privilégiés de voir le cardinal nous donner un son de cloche
Et je pense que ce n'est pas seulement pour Montréal ou le Canada tout entier, mais c'est un appel à tous les Congolais de bonne volonté. Maman, tous les années, c'est Ngomingi. Toko misan zambe, zambe azaka kanabiso et akosali sabiso. Bonambo kanabiso, to bosanate, tozo tiaga ma le sambo zambe akosala. Mais il faut biso moko peto salango. Alors tozo mi pesa. Zambe yo kabiso, to sepela. Bon cardinal aye tozana esengo mingi merci mingi na kombo ya ba mama nyonso. Mama, mute, so que eu tô.
message africain sur Suzanne. Je suis Kazé. Bon, il y a comme on a presque dans la Ivoirienne. L'Ore à ma main, sans sa fille, nous allons compter pour qui vous savez ça. Et ça n'a pas été fait, mais quand ça y est, on est bon. Pour ça, là, c'est pas. Tu disais ça.
Droit de savoir.